Bonjour, Université Insoumise, c'est la cinquième chronique consacrée à la campagne électorale. Et nous allons approfondir ce qu'on a essayé de présenter la fois précédente concernant la stratégie de la France Insoumise autour du plan A et du plan B. Et donc revenir sur le pourquoi on en est arrivé là, en Europe, et comment est-ce qu'on peut sortir de cette folie. Depuis le traité de Maastricht, les États renoncent à des politiques monétaires autonomes, notamment en termes de taux d'intérêt, en termes de conditions d'accès au crédit, et renoncent aussi à toute possibilité d'ajustement monétaire par une politique des taux de change. Deuxièmement, la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une zone monétaire optimale ? C'est une zone où on partage donc la même monnaie, qu'on appelle unique, et qui nécessite des conditions qui sont celles d'une libre circulation des facteurs de production, c'est-à-dire capital-travail, mais aussi des pays ayant des structures relativement semblables, donc des niveaux de problèmes, des types de problèmes relativement semblables. Alors qu'en est-il dans la réalité ? Mobilité des capitaux, ça fonctionne, ça circule. Mobilité du facteur travail, ben, en Europe, il y a libre circulation des personnes et d'installations, en tout cas formellement. Par contre, dans les faits, il y a quand même des barrages qui tiennent à la langue, à la culture, et l'expatriation, même en Europe, ne va pas de soi. Politique budgétaire, elle est inexistante, puisqu'il n'y a pas de budget fédéral au vrai sens du terme. Et il faudrait aussi, pour que la zone monétaire soit optimale, un sentiment d'appartenance. Or, celui-ci n'y est pas. Il n'y a pas véritablement d'espace public européen. Il n'y a pas véritablement de citoyenneté donc européenne, ni donc de peuple européen. Troisièmement, donc, la zone euro n'est pas optimale. Mais, alors, quand a été mis en place l'euro, tout ceci était connu des spécialistes, mais la réponse qui nous était proposée à l'époque, c'est que la mise en place de l'euro allait entraîner une dynamique qui allait donc entraîner la réalisation de ces conditions au fait que cette zone monétaire soit optimale. Bon, maintenant on a un petit peu de recul depuis la mise en place de l'euro, et sans procès d'intention, les faits sont là, et ils démentent cet espoir. Au lieu d'homogénéiser les pays de la zone euro, on s'aperçoit qu'il y a une dérive des pays du nord par rapport au sud, de l'est par rapport à l'ouest. Donc la belle histoire qui nous était contée au niveau de l'euro, ben, ne s'est pas réalisée. Il n'existe donc pas de peuple européen, et d'un point de vue budgétaire, c'est important cette notion de peuple européen, c'est celle qui permet d'accepter le fait que les décisions soient prises à la majorité et non pas à la majorité, si à la majorité et non pas à l'unanimité. Le budget européen est beaucoup trop faible. Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de budget fédéral puisqu'il est à peine il est de 1% du PIB de l'ensemble des pays de l'Union, et les Allemands ne veulent surtout pas qu'on augmente ce budget. Pour bien comprendre, en 2018, le budget européen de l'Union européenne était de 160 milliards d'euros. Le budget de la France à la même époque, 386,3 milliards d'euros. Et si on regarde une zone monétaire optimale qui est celle des États-Unis, le budget des USA, c'est 3 325 milliards d'euros. Et autre élément à prendre en compte dans ce qui va suivre, c'est que la France est le deuxième contributeur net au niveau du budget européen après l'Allemagne. Sixième élément, les budgets des États membres sont soumis au contrôle de l'Union dans le cadre de toute une série de traités, le PSC, le pacte de stabilité et de croissance, le two-pack, le six-pack, le semestre européen, le TSCG, la règle d'or, etc., etc. Tout ce qui a conduit à la mise en place de politiques dites de rigueur ou de ce qui est beaucoup plus juste peut-être, d'austérité. Et donc, s'il existe des déséquilibres structurels entre pays, ces pays-là, c'est-à-dire par un déficit structurel, c'est par exemple des pertes de compétitivité, eh bien, ces pays-là ne peuvent pas mener de politique monétaire autonome, puisque celle-ci est de la compétence exclusive de la BCE, et ils ne peuvent pas non plus mener de politique budgétaire autonome, puisqu'il faut respecter la règle d'or. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste ? Ben, pas grand-chose. Simplement, baisser le coût du travail, au niveau du salaire, et baisser les charges sociales et la fiscalité. C'est ce qu'on appelle
du dumping généralisé, tant au niveau social que fiscal. Donc la mise en place d'une concurrence non libre et faussée. Après 2018, la crise de 2018, cette dite des subprimes, il y a eu des politiques d'austérité totalement imbéciles qui ont été dénoncées par beaucoup d'économistes et qui même en ont été atterrés. Ils ont créé comme ça un groupe du même nom. D'autre part, ce qu'on a vu avec l'épisode grec, qu'il a été décidé de tuer dans l'œuf toute velléité de politique alternative. C'est notamment tout ce qui s'est passé avec l'humiliation de Tsipras par Wolfgang Schäuble. Et tout ça, ça a produit des politiques parfaitement criminelles au niveau des populations. Et ça a tué le désir d'euro, le désir de l'Union dans la population. Lors de la prochaine crise, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le principe du capitalisme, je vous renvoie aux différentes vidéos qu'on a consacrées à ce sujet, il y aura une prochaine crise, notamment financière, il n'y aura plus de solidarité entre les pays membres et le mécanisme européen de stabilité qui a été mis en place sera insuffisant. Donc les tenants de l'Europe libérale se trouvent piégés. Ils se trouvent piégés parce que les performances économiques de la zone sont médiocres, les opinions publiques sont défiantes, il y a à monter des populismes et des chocs politiques dans presque tous les pays. Donc, s'ils veulent continuer leur marche forcée vers toujours plus de libéralisme et d'ordo-libéralisme, il ne leur reste plus qu'à mettre en place ce que l'on appelle maintenant une démocratie illibérale, c'est-à-dire une démocratie autoritaire. Comment sortir donc de cette folie? Différents scénarios sont possibles. Un, celui du statu quo avec approfondissement, c'est ce qu'on a appelé la dérive illibérale tout à l'heure. Deux, négociation qui peut déboucher sur un accord, c'est ce qu'on appelle nous le plan A. Trois, la négociation échoue, c'est ce qu'on appelle le plan B. Donc on y revient. Le statu quo, nous le rejetons, il est dangereux et il ne peut aboutir qu'à l'effondrement de l'Union européenne. Deuxièmement, négociation pour déboucher sur un accord, c'est ce qu'on appelle le plan A. Donc nous proposons, et on reprend les éléments dits dans la vidéo précédente, une politique monétaire, réforme des statuts de la BCE, là les Allemands ne seront pas très contents, gestion pour que la BCE s'occupe de la gestion bien sûr de l'inflation, mais aussi des taux de change, mais aussi du plein emploi, et qu'elle retrouve un rôle de prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire la capacité de prêter aux États, et sans doute de pouvoir monétiser la dette. Deuxièmement, une politique budgétaire nationale, où on va reconnaître donc l'intérêt d'avoir un équilibre entre recettes courantes et dépenses courantes, donc de ne pas faire de déficit, mais la possibilité de laisser filer les déficits en cas de choc conjoncturel. Et puis également reconnaître le fait que l'investissement doit être financé par emprunt, parce que cet emprunt sera garanti par les actifs acquis grâce à ces prêts. Troisièmement, régulation financière, interdire les produits toxiques, séparer les activités de banques d'affaires et de banques de dépôt, etc. Protéger l'Union contre la spéculation sur les devises, donc mettre en place un système de taxation sur les mouvements de change. Combattre le déficit fiscal, le dumping fiscal et social. Organiser un protectionnisme solidaire en remplacement des traités de libre-échange et organiser une conférence sur les dettes souveraines, etc., etc. Si ce plan A ne fonctionne pas, donc nous tombons dans le plan B. La négociation a échoué. De fait, comme je rappelle, on a déjà désobéi dès le départ, avant toute négociation. De fait, nous sommes déjà sortis des traités. Et de fait, vu le poids de la France dans l'Union européenne, il n'y a plus au sens strict du terme, d'Union européenne. Donc, on va essayer de chercher un système monétaire alternatif à négocier. Et il existe plusieurs configurations possibles. Premièrement, l'euro continue sa vie en tant que monnaie unique. Ça paraît assez improbable, vu l'état de conflictualité qu'il y aurait à cette époque. Deuxièmement, on essaie de renégocier un traité uniquement pour l'euro, pour arriver à une monnaie unique, mais avec les conditions pour essayer de le gérer pour le besoin des peuples et non pas uniquement pour le besoin des marchés. Troisièmement, on abandonne la monnaie unique et on met en place une monnaie commune. C'est ce qui est souhaité par une majorité d'économistes. Une monnaie commune, c'est-à-dire qu'il aurait, sans entrer trop dans le détail, une monnaie, par exemple un euro franc,
un euro pour la France, un euro franc, on peut l'appeler comme ça, un euro Deutschmark, par exemple, un euro lire, un euro pesetas. Il y aurait donc des échanges entre pays à l'intérieur de l'Union européenne avec des parités, donc. Et par contre, on aurait une monnaie commune pour, donc un euro, pour toutes les monnaies, tous les échanges extra-communautaires. Alors ça paraît compliqué, mais ça existe, ça a déjà existé, et c'est tout à fait faisable. Et c'est un scénario qui permettrait, puisqu'on est dans l'absence de tout accord de renégociation des traités, qui permettrait de gérer de manière autonome, pays par pays, les chocs conjoncturels et les déficits structurels d'un pays par rapport à l'autre de la zone euro. Si tout ça, ça ne marche pas, eh bien alors il y a mise en place d'un système monétaire, on peut proposer la mise en place d'un système monétaire européen de monnaie nationale, c'est-à-dire d'essayer, malgré tout, de négocier un petit peu de manière coopérative les parités d'une monnaie par rapport à l'autre. Et puis si on n'arrive toujours pas à ça, qu'est-ce qui reste? Il reste le retour à la monnaie, aux monnaies nationales, et donc finalement ce qu'on appelle la guerre des monnaies, et ça, ça n'a pas de fin, puisqu'il y aura toujours un pays qui va essayer de dévaluer par rapport à l'autre. Conclusion de tout ça, on va voter le 26 mai. Donc la France insoumise, on rappelle que nous voulons sauver l'Europe. Pour cela, nous sortons des traités et nous avons une méthode qui est celle de la construction d'un rapport de force. Le plan A, on souhaite une renégociation et la réussite de cette négociation pour qu'on puisse appliquer un programme du type de l'avenir en commun. Plan B, c'est lorsqu'il n'y a pas d'accord. À ce moment-là, il faudra travailler, nous proposons de travailler sur la mise en place d'un scénario avec la construction d'une monnaie commune avec tous les partenaires qui voudraient nous rejoindre. Quoi qu'il en soit, le 26 mai, il n'y aura pas la réponse à toutes ces questions. Et donc, on vous donne rendez-vous pour ce qui concerne la France en 2022 pour faire notre avenir en commun. Voilà, et bien, comme toujours, j'espère que tout ça, ça vous aura éclairé, que le 26 mai, vous allez voter. Pour la bonne liste, vous imaginez laquelle. Donc en attendant, eh bien, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et on se retrouve certainement à la rentrée prochaine pour continuer le travail de guerre de position qui doit continuer. Alors merci et à bientôt.